Le Centre national chinois de surveillance sismologique a annoncé avoir détecté un séisme de surface en RPDC de magnitude de 3,4. Le fait que ce séisme ait eu lieu aussi près de la surface a mené certains à penser qu'il aurait été causé par une explosion. Des responsables sud-coréens ont déclaré qu'ils estimaient que ce séisme était d'origine naturelle. Le Centre de surveillance géologique américain a annoncé que l'épicentre du séisme se trouvait près du principal site de test nucléaire de la RPDC, mais qu'il n'était pas en mesure de confirmer si la secousse était naturelle ou due à l'activité humaine.